à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça va être un haul spécial Marrakech. Nous y sommes partis pendant les vacances scolaires. Si vous me suivez sur Instagram, bah vous le savez déjà. Sinon, je vous invite à m'y rejoindre. J'ai ramené principalement que de la déco. J'ai aussi des petits jouets, des trucs comme ça pour les enfants. Donc, je vais vous montrer tout ça tout de suite. C'est parti. Premièrement, j'ai trouvé ces sets de table que je trouve super canon. Je sais plus la matière que c'est, hein, c'est pas de la paille, je crois que c'est de la feuille de palmier ou d'olivier, je sais plus, mais bref, voilà, ils sont très épais, ils sont super jolis, j'en ai pris 6, ils sont ronds, donc j'en voulais des ronds, et ouais, j'ai trouvé ceux-là, ils sont super jolis, de bonne qualité, et en gros, grosso modo, j'ai payé 2 € le set de table, plus un gratuit, en fait ça m'a coûté... un petit peu moins de 10 € plus un gratuit. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ça franchement à Maison du Monde ou ailleurs ça vaut pas loin de 10 € le set de table. Donc là j'en ai eu 6 pour ce prix là. Donc je suis super contente de les avoir trouvés. Il y en a plein. Il y en a aussi des rectangulaires avec des petits pompons que je trouve très jolis aussi. Ceux-là vous pouvez les négocier à 1 € pièce. Mais voilà, moi j'ai voulu prendre cela et comme ça prend déjà pas mal de place, je me suis pas encombrée avec autre chose. Ensuite, mon mari s'est pris des babouches, je crois qu'il les a payées 60 ou 70 dirhams, ça fait à peu près 7 ou 8 €, quelque chose comme ça, en cuir marron toute simple. Voilà, il s'en sert de chaussons, c'est très confortable. J'en ai pris également pour les garçons, donc les marrons c'est ceux d'Inzo. Sont très jolis ceux des garçons, je trouve qu'ils sont très bien finis, ils sont super jolis, je vous mettrai des petits close-up comme ça vous verrez de plus près. Et ceux d'Isaé, bah, il les a choisis en bleu parce que c'est sa couleur préférée, mais voilà, il y en a de toutes les couleurs, après vous choisissez, mais ceux-là ils sont sympas et ils ont une petite semelle. Donc on verra combien de temps ils durent, c'est censé être du vrai cuir, on verra bien. Et pareil, hein, ils ont, pour les enfants je crois que c'est à 40 dirhams, donc 4 € il me semble. Alors il faut savoir qu'à Marrakech en fait il y a plein de stands etc et qu'il faut toujours négocier quand on vous dit un prix. Donc au début c'est pas facile de marchander, après moi c'est pas quelque chose qui me dérange en soi, donc voilà je le fais, si votre prix passe tant mieux. Au début n'hésitez pas à diviser par 2 et au pire après le commerçant va augmenter, puis voilà vous allez trouver un juste milieu entre lui ce que il vous a demandé au début et vous ce que vous en voulez forcément. Mais sachez que d'un commerçant à un autre ça peut vraiment varier du kit au double, et si vous achetez plusieurs choses chez le même commerçant évidemment il vous fera un prix de groupe, donc c'est un petit peu plus intéressant. Donc moi par exemple j'avais pris ce vase là, mais je l'ai pris avec, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'avais pris avec ce petit pot comme ça, vous savez, pour mettre, enfin à suspendre, voilà, après on met ce qu'on veut dedans, mais moi c'était dans l'idée de mettre une petite plante dedans. Alors là j'ai rajouté des feuilles de lavande séchées, mais c'est pas vendu avec, hein. Je vais mettre un bouquet de fleurs séchées. Parce que sinon moi je peux pas mettre de l'eau dedans, donc ça va être un petit peu compliqué. Et puis faire passer un vase, le trou est quand même très fin, donc pareil ça va être compliqué. Mais je trouve que pour décorer un meuble ou une table, je trouvais ça super joli. Donc j'avais acheté chez le commerçant ça, et qu'est-ce que j'avais pris aussi? Ah oui! Et le miroir que vous voyez ici, j'étais en train de réfléchir. Le miroir, je l'ai eu à 110, il me le faisait à 100, je l'ai négocié à 110 dirhams. Donc ça fait 11 €. Du coup, j'ai négocié ça pour 10 dirhams, ça faisait 120. Et pour 20 dirhams, pour 2 €, j'avais celui-ci en plus. Donc voilà, pour 140 dirhams, c'est-à-dire 14 €, j'ai eu ça et le miroir qui est vraiment... magnifique, je suis super contente de le trouver. Pareil, hein, il y a des commerçants qui le vendaient 300 dirhams, 30 €. Je crois même la toute première fois que j'ai demandé, on m'en demandait 600 dirhams, 60 €. Ouais, non, quand même pas. Hein. Vous êtes à Marrakech, sachez que ça vaut pas ce prix-là. Voilà, donc il faut marchander et trouver son bon vendeur. Mais pour 14 €, du coup, je trouve que c'est pas mal du tout. Spécialité là-bas de faire beaucoup les choses à la main. Après le problème c'est que c'est toujours pareil, il y a aussi maintenant beaucoup de made in China, donc
franchement, faire la différence entre le made in China et le vrai artisanal, c'est compliqué. Alors il y en a qui diront que c'est par rapport au prix, c'est plus cher forcément, ce sera de l'artisanal, mais c'est un peu compliqué du coup de trouver, on sait pas. Bon, moi personnellement je sais pas, donc là par exemple c'est soi-disant du fait main en bois, etc. C'est sûr, c'est du bois, il n'y a pas de doute. Il y a complètement des grosses irrégularités, donc c'est possible que ça soit fait main, mais bon, là encore j'ai pas la preuve. Mais bon, bref, on a acheté ces jeux, un jeu d'échecs et un jeu de domino à Inzo et Isae. Surtout Inzo, le jeu d'échecs, parce qu'il en voulait un. Il s'est mis au jeu d'échecs et il adore ça, donc voilà. On lui a pris le jeu de domino qui est comme ça en bois, donc c'est très sympa. Les deux jeux, on les a négociés à 220 ou 240 dirhams, donc entre 20 et 25 euros, on a eu les deux jeux. Sachant qu'on avait fait pareil plusieurs marchands et qu'en gros il y en a qui demandaient beaucoup plus. Donc voilà, là on a quand même réussi à avoir un bon prix pour les deux. Et au moins ça fait des heureux. J'ai ramené ce gros panier que je trouve magnifique. Alors ça, vous en servez pour faire un petit peu ce que vous voulez. Moi je l'ai acheté dans l'idée de m'en servir pour nos pique-niques, parce que à chaque fois j'en ai marre des sacs trop moches, donc je voulais un joli panier de pique-nique, et c'est exactement ça. Donc il y a une petite, enfin vous pouvez vous en servir de coffre, donc il y a une petite porte, enfin une porte, comment on appelle ça, un petit couvercle comme ça qu'on ouvre. Voilà, donc il est très grand ce modèle là, sachez qu'il y en a des plus petits aussi que vous pouvez utiliser, enfin que vous pouvez acheter. Voilà, mais là j'ai craqué sur celui-ci, je me suis dit que pour faire des pique-niques ça serait parfait. Et en attendant, comme bon je risque de l'utiliser pas non plus tous les week-ends, en attendant de l'utiliser pour les pique-niques, je pense que je vais l'utiliser, je sais pas, soit dans un coin de la maison pour y ranger des affaires, des magazines ou comme ça. On peut l'utiliser aussi, j'avais pensé, dans les toilettes pour ranger les papiers de rouleaux toilettes, vous savez, ce genre de truc qui est super moche. Hein. Ça serait plus sympa de les mettre dedans, pourquoi pas. On peut s'en servir pour ranger les peluches et les doudous des enfants, vous savez, en laissant entrouvert comme ça, ça peut être sympa. Enfin bref, il y a plein de possibilités de l'utiliser, j'adore, c'est super joli, c'est fait à la main. C'est vraiment hyper hyper canon et je l'ai payé, devinez. Alors j'ai payé 4 euros. Voilà, j'ai payé 40 dirhams. Alors là, sachez que j'ai rigolé aussi parce que en fait, je l'avais déjà acheté. À la base, il m'en voulait 50. À la base, le vendeur, il était hyper gentil et tout. Je regardais tranquillement et tout. Puis il m'a dit, si tu veux ça, je te fais 50 dirhams sans rien demander. Et de toute façon, j'en voulais un panier comme ça, donc je l'aurais pris. À ce prix-là, en tout cas, voilà, j'ai juste négocié un tout petit peu. Je lui ai dit 30 dirhams, il m'a dit non. Du coup j'ai dit 40 dirhams, il m'a dit oui. Oh, il allait quand même pas me le vendre 2 euros, donc bon j'ai essayé un petit peu de négocier parce qu'il faut toujours essayer mais il faut pas abuser. Et du coup il me l'a fait à 4 euros, franchement je trouve que c'est donné. Je suis hyper contente de cet achat. Sachez que quelques jours après j'ai demandé le prix par curiosité dans un autre endroit. Oui, un endroit réputé de Marrakech où ils font beaucoup de paniers et tout ça, qui personnalisent et tout. Et j'ai demandé donc cette taille là, exactement le même, ils m'ont demandé 150 dirhams, c'est à dire 15 euros. Alors peut-être que j'aurais pu le négocier à 100 dirhams, mais en gros je l'aurais jamais eu à 4 euros, c'est pas possible. Voilà, donc franchement bien contente d'avoir fait cette affaire. Ils vendent plein de petites babioles pareil à Marrakech avec des petits vendeurs, donc ça j'ai pris ce petit serpent pour Isae. Sauf que c'est un petit serpent articulé, normalement il est censé tenir droit et s'articuler mais il marche pas, enfin je sais pas ce qu'ils ont fait avec, il marche plus. Bref, voilà, je me suis dit que comme ça va être l'anniversaire d'Isaïe et que je vais lui faire certainement sur le thème de la jungle, que j'allais pouvoir le réutiliser du coup pour la déco. Ça m'a coûté 2 euros. Ouais, 2 euros ça, 20 dirhams. Et la toupie, alors ça, voilà, on enroule, bon bref, c'est une toupie. Kinzo a eu pour 10 dirhams, donc 1 euro. Par contre faites attention hein, parce que sur la place par exemple de Jemaa el-Fna, hein, je sais plus comment. Bref, la grande place hyper touristique, et sachez que ça, j'ai entendu des vendeurs le vendre 60 dirhams, 6 euros.
alors que vous pouvez le trouver à 2 €. Ouais. Faites attention, ça peut paraître rien comme ça, la différence, mais en fait quand on est sur place, négocier 1 €, ça devient sacré. On devient un peu parano. J'ai acheté quelques ustensiles de cuisine en bois, super joli. Alors je vais vous montrer, j'en ai pas pris beaucoup parce que j'en ai pas forcément non plus grande utilité. Mais voilà, j'ai trouvé donc cette grande cuillère en bois. J'en ai trouvé 6 petites cuillères comme ça. Donc ça va être genre pour manger les soupes et tout. Et je trouve que ça présente super bien, c'est super joli. Il y a une petite louche, ça j'ai prise pour les sauces, vous savez, des fois pour attraper le jus. Et ça c'est un... comment on appelle ça? Une cuillère à miel, voilà. Je sais pas si vous connaissez, mais bon, bref, c'est pour le miel. Et tout ça, j'en ai eu pour 50 dirhams, donc 5 €. Voilà, toutes les cuillères là, donc ça va. Franchement, j'ai pas été voir ailleurs s'il y avait moins cher ou pas. J'ai pris ça dans une petite ruelle à la fin du séjour, quand on avait pris un riad les 2 derniers jours. C'était une toute petite ruelle, pas trop touristique, donc je pense que je me suis pas fait bananer. Ensuite, dans les paniers, du coup, j'en ai ramené 2. Donc j'ai ramené celui-ci, un panier de plage ou un panier... qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans, par exemple, l'hiver, mettre des bûches de bois aussi, ça peut faire joli. Bref, je pense que je vais l'utiliser pour la plage, mais dans un intérieur de maison, je trouve que ça peut faire pareil, très très joli. Et sachez que voilà, là-bas ils brodent tout en fait. Moi j'ai pas eu le temps, je voulais peut-être faire marquer Marrakech dessus, mais j'ai pas eu le temps et du coup je l'ai pris en brut et puis j'ai eu peur de m'en lasser en fait. Donc voilà, comme ça au moins il est neutre et c'est très très bien, au moins je peux en faire ce que je veux, je peux l'utiliser où je veux. Ensuite j'ai trouvé ce sac que je trouve pareil très joli, donc tout à la main. Celui-ci il a une petite anse en cuir comme ça, donc il y a une bandoulière pour le mettre, vous voyez, genre comme ça sur le côté. Après moi j'aime bien le porter juste par exemple comme ça au bras. Donc c'est pour l'été, c'est super super joli, ça fait 2 ans ou 3 même que c'est hyper à la mode les paniers comme ça. Et voilà, on n'est pas près de s'enlacer, enfin moi j'aime beaucoup donc je m'en lasse pas. Je trouve ça très joli, après je ne les porte pas l'hiver personnellement, mais là au printemps je serais ravie de l'avoir celui-ci. C'est quand même un grand format donc je peux mettre beaucoup de choses. Et voilà, et je suis contente. Sachez qu'il y en a plein, plein, plein. Je me suis raisonnée parce que sinon ça serait ridicule, mais il y en a plein. J'ai acheté les 2 mêmes au même vendeur et je les ai payés 100 dirhams les 2. Donc ça fait 10 € les 2 paniers. Je trouve que c'est, voilà, ça fait 5 € le sac et 5 € le panier. Je trouve que c'est bien, bien raisonnable. On va bientôt arriver à la fin. Alors aussi j'ai pris un dessus de lit ou un dessus de canapé. Je l'ai utilisé en dessus de canapé parce que j'ai en fait notre j'ai un lit que j'ai personnalisé en canapé, donc il me fallait un dessus de lit mais pour mon canapé en gros. Je sais pas si vous me suivez. Bref, en fait j'ai acheté un dessus de lit, voilà, pour mon salon. Et j'ai trouvé celui-ci, donc je vous le montre pas comme ça, mais je vous le montre directement installé parce qu'il est bien installé et j'ai pas envie de tout défaire. Du coup je l'ai choisi en couleur sable avec un peu de blanc et des petites rayures noires. Je le trouve super joli, je voulais une couleur un peu naturelle qui se rapproche du naturel. Je voulais pas de blanc parce que vous allez voir que j'ai acheté des housses de coussin blanches plus l'assise en blanc. Je me suis dit que ça ferait trop blanc et beaucoup beaucoup trop salissant pour moi personnellement, enfin pour nous, moi, ma famille. Voilà, je sais que le blanc chez moi ça reste jamais trop longtemps blanc, donc je préférais quand même que ça soit pas blanc et je voulais pas quelque chose de coloré non plus. Donc celui-ci j'ai trouvé sympa. J'en ai pris un autre que j'ai juste là, donc celui-ci il est tout blanc pour le coup, avec des pompons blancs comme ça sur tout le côté. Ça c'est un dessus de lit que j'ai voulu prendre pour ma chambre, la chambre de mon mari et moi, mais on peut très bien s'en servir de plaid, hein. C'est très épais, c'est de la laine, c'est fait à la main, franchement c'est de super bonne qualité. Voilà, il est très joli aussi. Donc celui-ci pour l'instant je l'ai mis en dessus de notre chambre. C'est pas impossible que dans l'hiver je m'en sers de plaid dans le salon. Je me dis que ça pourrait être très joli
en bout de canapé, vous savez, ça peut faire super sympa. Donc voilà, pour l'instant il est là. Pareil en fait que le dessus de lit, j'ai pris les housses de coussin avec les pompons comme ça, donc j'en ai pris deux mêmes. J'ai pris les deux blanches ici, ça c'est pour mettre sur mon canapé dans le salon, et j'en ai pris une autre blanc aussi, mais sauf que celui-ci il a des petites rayures argentées. Ça se verra peut-être pas comme ça à la caméra, je vous ferai un close-up. Voilà, donc j'en ai pas ramené beaucoup parce que faut pas croire, mais les housses de coussin, quand elles sont un petit peu jolies et travaillées, bah, ça reste quand même cher. Faut compter en moyenne 10 euros la housse de coussin, peut-être même beaucoup plus pour certaines. Donc elles sont très très belles, mais ça représente quand même un budget. Donc bon, j'allais pas en ramener 10, alors je me suis limitée au plus simple. Et ceux-là, du coup, je les ai eus à 8 euros, il me semble. En gros, les deux plaids et les trois housses de coussin, j'en ai eu pour moins de 60 euros. Donc voilà, grosso modo. Les plaids, ils m'ont coûté 20 euros chacun, plus les trois housses de coussin. En gros, ça fait à peu près ça. Je pense que j'aurais pu trouver moins cher. Après, ça s'est fait le dernier jour avant le départ. J'étais malade. Vraiment malade, j'avais passé une nuit blanche à vomir dans les toilettes, c'était un peu la catastrophe. Et j'avais quand même trouvé le courage d'aller faire quelques magasins parce que j'avais rien acheté et qu'il fallait que je ramène des choses. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas eu le courage d'aller voir à droite, à gauche, de négocier les prix, etc. De toute façon, après, au bout d'un moment, on a vu le budget. Aussi, je voulais ramener de la vaisselle, sauf que en fait j'avais plus de place dans ma valise. Ils ont de la super super vaisselle. Après, je me suis raisonnée parce que c'est pas non plus quelque chose dont j'ai besoin nécessairement. Et puis en plus j'avais plus de place, mais ils ont de la vaisselle super jolie. Dernière chose aussi qu'on a ramené, et ça c'est mon mari, il en voulait absolument un, donc je vous le montre. Un peu beaucoup lourd parce qu'il est rempli, donc voilà, c'est un gros pouf marocain comme ça. Il est hyper lourd. Je l'ai pris, voilà, donc ça c'est Richard qui en voulait un. Donc au début j'étais pas trop pour, puis finalement en fait je regrette pas du tout, ça va super bien dans mon salon. Juste la condition que je voulais, c'est qu'il soit de cette couleur. En fait je l'ai choisi en marron naturel, que je trouve super beau parce qu'il se rapproche vraiment du bois que j'ai à la maison. Moi j'ai beaucoup de bois en palette, etc. Donc ça va très bien ensemble. Il y avait du marron plus foncé et du marron encore plus foncé. Il s'agit aussi qu'il y avait aussi toutes les couleurs, rouge, bleu, blanc. Alors le blanc j'aimais pas du tout, je trouvais que ça faisait cheap. Mais voilà, celui-ci très joli je trouve. Donc c'est soi-disant du cuir de chèvre cousu à la main. Bon, bref, hein, moi je ne pourrais pas vous certifier que c'est vrai, mais bon. C'est ce qu'on nous a dit. Et celui-ci, on l'a payé 210 dirhams aussi. Enfin, entre 20 et 25 euros. Voilà. Voilà pour ce haul spécial Marrakech. En tout cas, un conseil que je peux vous donner si vous allez là-bas et que j'ai moi-même appliqué, c'est de prendre un bagage supplémentaire en soute. Pour le retour, si vous passez par une compagnie low cost comme nous on a fait, on est parti avec Ryanair, vous savez qu'on a droit à une petite valise ou bagage à main. Mais après vous devez payer un supplément bagage pour en soute. Et du coup bah, à l'aller on n'a pas pris de bagage en soute, mais j'avais embarqué dans un sac à dos, j'avais mis un sac pliable si vous voulez, enfin un sac de voyage pliable. Du coup pour le retour j'avais pris un bagage en soute en plus, et c'est sans regret, j'aurais peut-être même dû en prendre deux, voilà, si j'avais dû ramener de la vaisselle et un tapis. Pareil, j'avais plus la place pour un tapis. Ils ont des très beaux tapis, mais malheureusement c'est très lourd les tapis et ça prend beaucoup de place, même s'ils le plient très bien, ça prend beaucoup de place. Donc là il m'aurait fallu une valise en plus, donc je ne pouvais plus rien ramener. Mais voilà, un petit conseil, payez un supplément bagage. J'espère que ce petit haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire les achats que j'ai fait qui vous ont le plus plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.